Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Thiam n'est pas dans l'opposition. N'oubliez pas de vous abonner juste en bas de cette vidéo. Le président du PDC a prononcé deux allocutions, l'une lors des honneurs à la présidence de la République et l'autre à l'endroit de ses militants. Devant le parterre de personnalités parmi lesquelles le président Ouattara, Thiam s'est exprimé durant 11 minutes. Sur les 11 minutes, il en passait 3 à 4 à démontrer l'importance de rendre hommage au président Conan Bédié. Ça n'était ni indispensable, ni même nécessaire. Et ces encombrements ont donné l'impression d'un texte insuffisamment préparé. Sur le plan politique, l'homme est rentré dans des considérations sans relief. Pire, en face du président Ouattara, il a tenu à se montrer bien éduqué et respectueux. Ce qui est une bonne chose. Mais il y a aussi à se rappeler qu'Alassane Ouattara est son rival. Il est celui dont Thiam voulait et veut toujours en principe, la place. Quand on est satisfait d'un homme, et qu'on lui reconnaît des qualités de leader, des qualités humaines, de bon gestionnaire, publiquement on ne lui trouve que des atouts, on aura du mal à prendre sa place. L'enjeu dépassait largement le simple cadre du PDC RDA. Tidiane Thiam était suivi par dans le monde entier. Tidiane Thiam n'est pas suffisamment racé. Pour accéder au pouvoir, Félix Houphouët-Boigny a dû affronter ses adversaires. Gbagbo a dû affronter Houphouët-Boigny. Ouattara a dû affronter Gbagbo. Thiam choisit une option improductive. D'autant plus que l'électorat qu'il convoite fonctionne selon ses pratiques que lui Thiam ne peut changer avant 2025. Or, des milliers de militants ont placé leur confiance en lui. Parce qu'il est jeune. Relativement. Il a un CV concurrent à celui de Ouattara. Un carnet d'adresses épais. Sa femme, parce qu'européenne, est, aux yeux des militants, elle aussi, une femme de réseau. Comme Dominique Ouattara. Si lors des obsèques du Bédié, Thiam passe la pommade à Ouattara, on se demande bien à quel moment il va, à lui, s'opposer. L'opposant est celui qui saisit toutes les occasions, le deuil y compris, pour communiquer. Pour faire campagne. Il communique même dans le deuil. Un opposant n'oublie pas sa position, encore moins sa posture. Thiam n'est pas dans l'opposition. Et ouvre la porte aux supputations. Serait-il en deal avec le pouvoir? Envisage-t-il de caser les siens? Tous ceux qui ont cru en lui? Comment espère-t-il battre Ouattara ou le candidat du pouvoir RHDP sans l'affronter? Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations sur Lexical Info. Merci.